Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Giuseppa et de Paga. Vous devez certainement tous les connaître, Paga et Giuseppa, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et ils se sont mis en couple sur le dernier tournage des Marseillais. Comme vous le savez, de nombreuses personnes critiquent Paga et Giuseppa parce qu'ils ont 8 ans d'écart. Dans cette vidéo, les deux amoureux semblent être très heureux ensemble et ils profitent pleinement de leur Saint-Valentin à Venise. Sauf qu'un grand nombre de blogueurs ont remarqué l'attitude inacceptable qu'a eu Paga avec Giuseppa. Je vous laisse sans plus tarder avec leur snap et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Voyez-moi, il fait pas très chaud. Ouais. Englobe-moi, enlace-moi, entoure-moi. Wow. On la couse. Ouvrir cette carte, regardez-moi ça. Je vais me commander. Attendez, voilà. Non, si. Des ravioles d'herbe. Raviolis farcis au fromage. Et bébé va se prendre l'anguille de Buzzara. Voilà famille, j'ai pas tout vous filmé, on est en tête à tête, on fait que des bruits. C'est le cochon. Oh là là, c'est le cochon. Miaou, miaou. Regardez bébé, elle dirait une vieille. T'as froid? Oui. Il gèle. Les gars, il gèle. Une douche chaude. Il gèle à Venise. Si tu veux que je t'épouse, quand on te rentre, t'es obligé de me faire couler l'eau chaude. Ah ouais. Mais tu dois toujours me faire couler l'eau chaude. Hein. Ça, c'est, ça excuse rien. Voilà, bébé. Bienvenue à Venise où il fait gris. Super, trop méchant, cool, bien cool, trop topissime. Pour la Saint-Valentin, ma soeur, régaler sous ce froid. Crie mon amour. Je vais faire un rêve. Crie mon amour. Oh, ma princesse, elle se réveille avec ses belles roses italiennes. Ça, c'est de la rose. Oh. Oui. Oh, ma princesse, la famille. Buongiorno. Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et à tous ceux qui sont célibataires. Profitez de la vie. Voilà. En tout cas, nous, avec bébé, on va kiffer, même s'il fait un temps médiocre. Il pleut, donc je sais pas comment on va choper la gondole. On devait faire plein de choses aujourd'hui. Bon, je pense qu'on va se prendre un parapluie. On va quand même aller au front. Hein. Voilà, hein, tant pis. Hein. Vous voulez faire magasin, musée, resto, gondole. Mais là, il pleut, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave. Bref, passez une excellente journée. En cet amour, plein d'amour. Us. It's just up to you and your attitude, you know? Yes. But if you have maybe everything this? Ah, c'est beau, everything here. No, I have also some pullover. Gondola. Ah là, on y est là. On fait pas semblant, le frère. Hein. On est les seuls fous. Il pleut à Venise en gondole. Mais au moins, on se rappellera de cette Saint-Valentin, bébé. S'il y a le soleil, c'est trop facile. C'est pas pareil. Bon, par contre, waouh. T'imagines, les gens, ils habitent là. Waouh. Magnifique. Hey. C'est génial. Au moins, on est sûr d'être seul dans Venise. Voilà. Oui. Normal, quoi. On veut le virage qu'il prend. Wow, il va pas toucher.
Ah, c'est un monstre. Ah, tu es un monstre, tu es. Il est chaud quand même, wow. Il est très bon, 40 minutes. Ouais, ouais, ouais. Wow, wow, la classe. C'est vraiment la classe quand même. Hein. C'est fou quand on y pense, regardez. Ça veut dire que cette maison, auparavant, peut-être que... Ben, il n'y avait pas la... il y avait pas l'eau. Donc, du coup, il pouvait marcher, monter 6 escaliers tranquille. Bah ouais. Incroyable. J'aimerais bien savoir l'histoire, parce qu'en fait, on est à Venise, mais je connais pas l'histoire de Venise. Il faut qu'on l'apprenne. Ouais, c'est incroyable. Incre. Ça, c'est une belle gondole, ça. Oh ! Hello ! Hello ! Ah ben voilà, hein. On kiffe. Bonne Saint-Valentin, mon amour. Merci. Oh. Eh ben, on est congelé, frigorifié. Bonne Saint-Valentin. On se balade dans les rues de Venise. Oh, je vais mixer avec ça maintenant. Faut que tu me le resserres, il tombe. Ouais, ça y est, c'est mon nouveau casque, mon mix max. Les amis, on s'est fait plaisir, voilà, on se fait un peu les magasins pour la Saint-Valentin, c'est très rare. Et ça fait du bien pour le moral. Tu sais pourquoi? Parce que quand on fait la rareté, c'est là où ça fait du bien. Si tu fais tous les jours des achats, des magasins et tout, c'est pas bien, tu vois. Donc voilà, on s'est fait un petit peu des magasins, on se fait plaisir et voilà, on se voit un petit café, on va monter se reposer, puisqu'il pleut, il fait quand même frais à Venise. Et voilà, ce soir, on va peut-être se faire un petit musée, un petit resto. Tranquillou, Marilou, bisous la famille. Ah putain, qu'est-ce qu'on a rigolé. Je vous mets le lien là, allez voir, ça dure 10 minutes, vous avez pipi dessus. Que des fous, vraiment, que des fous. Bon, ça y est, on est arrivé à l'hôtel. On a bien mangé. Et on s'est dit que demain, on allait faire un programme trop cool. On va se lever le matin, hein, bébé? On va déjeuner. On va aller faire la gondole. On va aller faire du shopping. On va aller manger. On va aller visiter le musée. On va faire plein de trucs trop cool. Ça va être trop bien. On est les seuls fous qui pleut à Venise en gondole. Mais au moins on se rappellera de cette Saint-Valentin bébé. Si le sol. On rentre à Notting Hill parce que c'est là où on dort. On était à Oxford Street, on a fait un peu de shopping, on a mangé là-bas et tout, on s'est baladé dans les rues, c'était trop beau, c'est trop bien. Par contre, il fait trop froid, on voulait rentrer à pied à l'hôtel histoire de visiter un peu, voir les choses et tout autour de nous. Mais le froid, c'est juste trop dur. Donc là, on retourne à l'hôtel et je pense qu'on ira, peut-être on ressortira plus, peut-être en fin d'après-midi. Et on rentre demain, on prend l'avion vers midi. Donc retour à Paris et là je dois rester à Paris, très important pour le boulot. Là c'était vraiment du chill mais demain il faut bosser. Donc mais en tout cas c'était trop cool, on a passé 2 jours. Hier on est sorti, on a fait un max de trucs, on a vu plein de trucs et tout, c'est trop cool. Donc, et aujourd'hui on n'est pas encore fini. J'ai trouvé ma star.
Alors ma star, biscotte, oui je t'aime, ma beauté, oulala, oulala, oh, oh. J'ai retrouvé ma star. Merde, elle m'a vomi dessus. Biscotte, oh non, non. Merde, elle m'a vomi. Pas le torse. Fatigué mais je rappe encore, je fais pas. Elle est fière de ce résultat, le tien. C'est scanner. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.